Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce stade pour cette nouvelle rencontre de football qui va nous occuper. Avec vous au micro Hervé Matou, je vais vous commenter cette rencontre particulièrement attendue, l'AS Monaco contre l'Olympique de Marseille. Ce match qui est l'occasion de faire le trou avec l'adversaire du jour, de les mettre à 6 points en cas de succès. Non, ça n'ira pas plus loin, très bonne interception défensive. Thomas Lemar. Le ballon en retrait, attention. Plongeon magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Ouais, c'est dégagé, sans se poser de questions là. Oh, il était temps d'intervenir là. Ouais, touche après un tacle impeccable, hein, soit dit en passant. Ouais, touche, le ballon a été dévié. Franck-Yannick Caissier. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Allez, il faut le mettre celui-là. Et le but ! Déjà 1-0. Voilà un match qui commence fort. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Ça joue bien côté marseillais. Vinicius Junior. Oh, il avait intérêt à le récupérer, hein, ce ballon. C'est bien joué. Les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Neymar. Ouais, la frappe. Et l'OM qui marque. But pour l'Olympique de Marseille. Et voilà donc à égalité un but partout. Ouais, bah l'interception, il est sorti de nulle part, il a jailli. Thomas. Va-t-il parvenir à centrer? Ouais, tranquillement, pas de problème sur ce centre. La passe est coupée et bien défendue. Lemar. Ouais, très très beau geste défensif. Et le gardien qui est sur ce ballon. Quincy Promesse. Allez, il faut centrer vite. On cherche la faille dans la défense adverse. Et là, temps d'ouverture. Ouais, le défenseur qui enraye cette action. Ça sort, c'est une touche pour Monaco. La présence de Neymar. Qui récupère ce ballon. On va repasser à l'intérieur. Oh, il fallait le sortir ce tacle. Franck-Yannick Caissier. Thomas. Oh, que c'est bien donné ça. Là, il fallait intervenir urgemment. Promesse. Ça joue bien côté marseillais. Promesse. Avec Neymar. Attention à cette action. Ouais, elle a volé en première intention. Et le gardien qui écarte le danger. Oh, c'est dégagé ce ballon. Il donne un petit peu d'air à sa défense. Elvedi. Franck-Yannick Caissier.
Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Il faut qu'il centre là. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Oh, très bien défendu. Ballon perdu. Ça sera une touche pour l'OM. Boubacar Camara. Ah, elle progresse bien là. Comme elle est mort encore. Ah, il a coupé leur élan au tout dernier moment. Bien joué. Voilà, Neymar. Neymar dans ses œuvres. Magnifique. L'occasion de prendre l'avantage. La belle intervention dans les buts. Magnifique. Franck Yannick Caissier. Ça en est fallu de peu que leur équipe soit vraiment menée là. Spectateur qui essaye de la pousser. Ils y croient. Ce sont les Monégasques qui donnent le coup d'envoi dans cette seconde période. Phil Foden. Thomas Lemar. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Il conserve le ballon. Ils espèrent trouver une possibilité de mener une attaque. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Oh, il s'est bien défendu. Ballon perdu, là par Neymar. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ouais, défenseur qui est passé. Et il a perdu son ballon. Il poursuit son action. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Neymar. Il est dépossédé du ballon. Thomas Lemar. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Mais non, dommage, ça va s'arrêter là. C'est bien défendu et le ballon qui est sorti. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ça joue bien côté marseillais. Et le but! Oh, il passe devant avec ce but, c'est magnifique! On voit le but avec la passe en profondeur, bien donnée dans la course. Face à face qui est remporté grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion. Le club princier mené pour le moment.
Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Il est sur la trajectoire. Il est en train de remonter le terrain. Neymar. Un superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner. Vinicius Junior. Là, il fallait intervenir urgemment. Oh, il ne faut pas la perdre ici. Il cherche des solutions là. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Neymar. Vinicius Junior. Neymar. Oui, attention. Il repousse le tir. Le danger qui n'est pas écarté. Oh, c'est renvoyé par la barre. Et le ballon parti très loin, s'est dégagé. Après cette grosse frayeur, le public sent que cette équipe n'a plus rien à perdre. En tout cas, ils font tout pour la réveiller. Hein. Allez, touche. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. On ne peut que constater la domination de l'équipe visiteuse depuis, on va dire, un gros quart d'heure. Honnêtement, si cette équipe marque un nouveau but, la rencontre sera pliée. Le ballon est perdu. Franck-Yannick Caissier. C'est Olivier en touche. Le 1-2. Interception de Pépé. Neymar. Ça presse haut. Attention à ce ballon. Bon, il passe. Oh, le ballon qui lui colle au pied. Magnifique. Et ça fait un de plus au compteur. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage. Thomas Lemar. Thomas Lemar. Ouais, la bonne interception. Holmes. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Allez, il peut y aller. Et l'intervention décisive du gardien. Ah, il est bien tiré le corner là. Ballon dégagé de la tête, en touche. Laisse Monaco qui va pouvoir continuer parce que c'est dégagé devant. C'est parti vers le deuxième poteau. Non, c'est terrible, terrible de manquer une occasion comme ça de réduire le score. Je pense que ça vient un peu sceller les derniers espoirs. Le quatrième arbitre qui indique une minute de temps additionnel. Et voilà, la fin du match. La fin du match, c'est 3 points de perdu aujourd'hui. 3 points de perdu. Pour cette équipe qui se fait rattraper, la course au titre relancée.